Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve après une petite absence de 3-4 semaines, je dirais. Alors, j'étais pas censé avoir une absence aussi longue, j'aurais dû vous faire des vidéos et tout. Sauf que il y a environ 10 jours, j'ai eu, comment dire, une catastrophe naturelle dans ma ville, c'est-à-dire qu'il y a eu un orage avec des pluies diluviennes. Et je me suis retrouvé avec plus de 70 cm, enfin environ 70 cm d'eau dans la maison, avec mon terrain qui était recouvert de 30 à 40 cm d'eau. Donc je vous laisse imaginer l'horreur. On va dire que c'était pas top. Là, je vais vous mettre quelques photos ici pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ampleur du désastre. Donc voilà. Alors pour vous. Bon, j'ai décidé de vous en parler parce que bon, voilà, c'est quelque chose qui m'a touché. Il faut savoir qu'en fait, dans la nuit de lundi à mardi, on a eu un gros orage avec en l'équivalent de 1 heure, 1 heure et demie, 1 à 2 mois de précipitation. Donc, ce qui fait que dans Beauvais, il y a eu énormément de dégâts, puisqu'en fait, il y avait même des bouches d'égout avec des geysers à 2 mètres de haut. Enfin, il y a plein de monde qui a été inondé, etc. Alors, moi, on va dire que dans la nuit de lundi à mardi, je n'ai pas été excessivement inondé. J'avais de l'eau, sauf que on s'est levé le mardi à 5 h du matin avec un compagnon, et puis j'ai commencé à éponger jusqu'à 10 h, on va dire. Donc là, en fait, il avait arrêté de pleuvoir vers minuit 30, 20, 23 h 30, minuit, je dirais. Donc à 10 h du matin, j'étais content. J'avais épongé ma cuisine et puis ma salle de séjour, parce que j'ai ça dans mon sous-sol et tout, donc que j'utilise plus facilement que celle de l'étage qui est parquetée. Et donc avec les chats, c'est, vous savez, les chats, ça vomit de temps en temps, etc. et tout. Donc c'est du carrelage, c'est plus pratique d'entretien. Enfin bon, voilà. Donc à 10 h, j'étais content. Je me suis allongé parce que ça faisait depuis 5 h du matin que j'étais en train d'éponger. Et à midi, en fait, la rivière qui borde, enfin qui est devant, juste devant chez moi, elle s'est mise à déborder. Mais à déborder fortement. Donc en fait, ma rue, on ne la voyait plus. Après, en fait, l'eau, elle est venue sur mon terrain et tout. Elle montait, elle montait, elle montait, jusqu'à ce que finalement, en fait, ça y est, le sous-sol commence à être inondé, et l'eau continue à monter. Donc, voilà. Après, je dirais que vers 15 h, les pompiers sont venus pour évacuer carrément ma rue. Parce que bon, là, on était en danger. Bon, moi, personnellement, j'ai refusé d'évacuer, puisque pour être logé, c'est sans les animaux. J'ai 2 chats, donc je n'allais pas les laisser. Au final, j'ai été dormir chez mon père. Donc, j'ai laissé mes chats à l'étage chez moi. Donc, il n'y avait aucun souci, ça craignait pas. Et puis, j'ai dormi chez mon père. Sauf que, en fait, il y a eu un événement, c'est avant que je puisse aller chez mon père et tout, comme l'eau n'arrêtait pas de monter, il y a eu un effet de phénomène de siphon, on va dire, avec mes toilettes qui sont situées au sous-sol. Donc là, je vous mets une petite vidéo qui vous montre ce qui se passe. Donc je peux vous avouer que là, je commençais à être vraiment pas très bien, parce que je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter. Après, on a l'électricité qui a sauté. Donc bref, c'était pas possible de rester dormir à la maison. Voilà. Donc j'ai dormi chez mon père avec mon compagnon qui est rentré en urgence de Bruxelles, puisque voilà, on était sinistrés, hein, 70 cm, voilà. On a réussi à sauver quelques petites choses, etc. Mais avant que l'eau les atteigne, mais on n'a pas pu tout sauver, malheureusement. Donc, et le mercredi, heureusement, après-midi, les pompiers sont venus pomper l'eau. Donc, de 70 cm, je suis passé à 3-4 cm, ce qui était beaucoup plus acceptable. Et donc, depuis, on nettoie, on a fait des constats avec l'assurance, etc. Donc là, c'est l'assurance. Là, j'ai eu une bonne nouvelle, c'est qu'on va recevoir les virements dans les prochains jours. Ils ont déjà débloqué des fonds. Donc, l'expert était passé le lundi, la 28, puisque ça s'est passé le 22, l'inondation. Donc là, il est passé le lundi 28. Donc ça a été hyper rapide. Donc franchement, je suis super content de mon assurance, puisque de ce coup-là, par rapport à ce que l'expert me disait, que des fois, il mettait 1 mois ou 2 à venir, moi, en même pas une semaine, ils étaient déjà là. Donc, et puis là, comme je vous dis, on est à moins de 15 jours pour le traitement du dossier. Et tout, donc franchement, c'est nickel. On est content.
Donc, par contre, bon, on a perdu beaucoup de choses, beaucoup d'électroménagers. Bon, on a de la chance dans notre malheur, c'est qu'on est quand même relativement bien indemnisé. Voilà. Ben voilà, c'était la partie pleurs de mon vlog. Parce que je dois vous avouer que depuis ce qui s'est passé, je n'ai quasiment pas lu parce que j'avais l'esprit occupé et on a comme un espèce de syndrome post-traumatique avec mon compagnon, c'est-à-dire que il y a eu encore un gros orage quelques jours après et je dois vous avouer qu'on n'a pas fatalement dormi de la nuit parce qu'on avait peur que ça remonte, ça remonte, ça remonte. Bon, ce matin j'ai eu un bon rendez-vous, comment dire, avec mon psy habituel. Bon, il m'a dit que c'était tout à fait normal et qu'il faudra s'inquiéter si dans l'espace de 2 mois ces symptômes ne disparaissent pas. Donc j'espère que ça va disparaître. Il m'a dit qu'il y a 99% de chances que ça disparaisse. Donc bon, bah, j'espère que ça va être le cas, puisque là, ça annonce au moins encore une semaine de pluie, donc je suis pas très tranquille, je dois vous avouer. Donc bon, là, on est content. Mon compagnon a énormément bossé pendant que moi, je retournais en présentiel sur Paris. Donc le sous-sol est nettoyé. Il reste plus que la partie arrière du sous-sol à nettoyer. Donc c'est déjà un bon grand pas. Et il y a quasiment, enfin, il y a quasiment plus d'infiltration d'eau. Donc c'est déjà pas mal. Par contre, on espère du soleil pour que ça assèche bien le tout. Parce que là, on aère. Mais bon, comme le ciel est un peu gris, enfin gris, et puis de temps en temps, il y a des petites averses, bah, ça aide pas fatalement à assécher le sous-sol. Donc bon. On espère qu'à passer la semaine de pluie, on aura vraiment du beau soleil et en fin d'été. Voilà, tout simplement, en fin d'été. Donc voilà quoi. Bah, tout ça pour vous dire que bah, je n'ai pas beaucoup lu. Donc voilà. J'ai pourtant entamé lundi une lecture plaisir que je vous montrerai après. Puisque bah, j'ai laissé de côté un peu mes SP parce que là j'avais vraiment besoin de quelque chose qui me détende. Bon, même si j'ai pas énormément lu, puisque comme j'ai repris en présentiel mardi, mercredi sur Paris, le fait de revenir à 3h30 de transport quotidien, c'était un petit peu dur. Voilà. Et puis comme j'avais été absent la semaine dernière à cause de mon inondation sur mon poste, bah, j'avais du retard à rattraper. Donc il a fallu turbiner, etc. et tout. Donc le soir, je rentrais, j'étais un peu explosé. Voilà. Le seul avantage, enfin le point positif quand même quand je suis revenu au travail, c'est que j'ai appris que mon CE avait eu un excédent budgétaire et donc on avait droit à chacun une carte cadeau chez Cultura de 97 euros. Donc je me suis fait plaisir, je dois vous avouer, maintenant j'attends ma commande tout simplement. Donc je vous montrerai ça dans le book-haul du mois de juillet, parce que là ça va arriver en juillet. Et puis bah, voilà. Donc je me suis fait plaisir, j'ai pris 5 livres et un guide de voyage. Voilà. Donc c'était le bon côté du retour au travail. Voilà. Maintenant, ben là, il va me rester encore une semaine en télétravail. Après, je suis en vacances 3 semaines. Et je reviendrai de nouveau en présentiel au mois d'août, sur un rythme de 1 semaine sur 2. Donc bon, ça va. Hein. Franchement, la reprise est quand même tranquille. Voilà. Même si là, pour ma reprise, j'ai quand même eu droit à mercredi train en panne, le soir un train court, alors qu'on est hyper nombreux, donc je peux vous dire déjà que les distances Covid, c'était vachement top. On était un petit peu serrés comme des sardines, donc c'était, voilà, j'étais super content. Et bah là, aujourd'hui, jeudi, il y avait grève SNCF, mais heureusement, j'avais posé une journée, donc ça va. Je suis content, au moins j'ai évité la grève SNCF. Donc, de toute façon, les grèves SNCF, ça montre que le monde retourne normalement, on va dire. Qu'on revient à la normale. Voilà. Bon, bah, sinon, bah, c'est fini pour la partie pleurs. Maintenant, on va passer à la partie choix quand même. Donc, je vais vous présenter les livres qui sont arrivés au mois de juin dans ma bibliothèque. Comme toujours, je vous présente les livres papier parce que les e-books, c'est un peu plus compliqué, etc. et tout. Puis, j'en tiens pas nécessairement le compte. Donc, voilà. Alors, en tout premier lieu, on va commencer par un graphique. Donc, il s'agit du tome 4 de Heartstopper de Alice Osman. Donc, je ne l'ai pas encore lu. J'avais bien aimé les autres tomes. C'est pas un coup de cœur, puisque bah, je trouve le dessin un peu simpliste et tout, mais ça fait passer un beau message. Donc, voilà. Donc, j'ai hâte de me mettre à le lire. Ensuite, alors j'ai passé une commande chez Julie Doge.
Donc, alors, c'est deux romans, mais qui sont différents. Alors, on a une romance historique avec faux-semblants, où là, en fait, on va suivre la fille d'une servante et de Lord Lamb, et Annabelle, donc, qui est la femme de Madeleine, sa demi-sœur, donc qui est la fille aussi de Lord Lamb, mais sa fille légitime, on va dire. Et voilà. Et elles se ressemblent vraiment. Et il va se passer, comment dire, un switch. Et franchement, l'histoire est bien tournée et tout. En plus, on a des petites surprises parce que même si on s'attend à certaines choses, mais en fait, la manière dont c'est tourné, et ben, franchement, des fois, c'est des surprises. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture parce que je l'ai déjà lue en fait, parce que je l'ai eu en service presse. Et donc je l'avais déjà lu avant de le recevoir en papier et franchement j'ai bien aimé et je vous le recommande. Alors ensuite, il s'agit du tome 5 de Néfasta, donc toujours de Julie Dauge, Ariana. Alors je l'ai aussi reçu en service presse mais bon j'ai pas encore le temps de le lire. Donc Néfasta, on se retrouve dans un monde avec des vampires, des mages et des Néfasta, donc des sorcières. Franchement, c'est une série de romances paranormales qui est très bien tournée. Il y a beaucoup d'action, il y a des rebondissements. Julie, en fait, nous tient en haleine. Et à la fin, à chaque fois, on a un petit truc qui nous dit, mais il nous faut le tome suivant. Et l'avantage de cette série, c'est qu'il n'y a pas beaucoup comment dire, de temps entre l'apparition de chaque volume. Donc vous n'avez pas énormément de temps à attendre. C'est pas comme sur certaines séries où des fois on attend 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, en fait, on attend beaucoup moins longtemps. Parce que je ne sais plus quand est-ce qu'est paru le premier tome. Mais là, ben on est au cinquième tome. Et je crois que ben, le premier tome, il a dû paraître l'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc là, on est au cinquième tome. Bah, si vous vous rendez compte que bah, voilà, 5 tomes en l'espace de 2 ans, c'est pas mal, franchement. Voilà. Donc, Ariana de Julie Dauge. Ensuite, alors, ces deux romans seront de Sloane Kennedy. Alors, j'ai reçu Rédemption, le tome 2 des Protecteurs. Alors, ça a été offert par une abonnée au Tani, que je remercie fortement, puisque ça m'a fait super plaisir. Alors, je l'avais déjà lu, mais je le voulais en papier, donc je l'avais mis dans ma wishlist. D'ailleurs, s'il a envie de vous démange, ma wishlist est en barre d'infos. Enfin bon. Donc là, en fait, on va suivre Ronan et Seth. C'est une romance MM avec comment dire, du suspense et tout, beaucoup de sentiments et franchement c'est pas mal. Il y a une intrigue et tout bah, j'adore en fait cette série de Sloane Kennedy. À chaque fois qu'il paraît un tome, bah, je le dévore hein, tout simplement. Alors ensuite, je me suis acheté Vengeance, le tome 5 des Protecteurs, donc toujours de Sloane Kennedy. Alors là c'est un MMM, donc c'est avec un trouble, donc un ménage, où là, en fait, on va suivre Memphis, Brennan et Tristan. Voilà. Et donc, il va y avoir un trouble, c'est très bien construit. Je trouvais que comment dire, les membres du trouble étaient complémentaires. Et c'est une belle romance. C'est vraiment une belle romance. Et toujours avec. Un peu d'intrigue. Franchement, il y a un bon dosage entre sentiments, intrigue, action. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, et puis, bah, les couvertures, bon, bah, sont vraiment pas mal. Donc, c'est pas trop du torse-poil. Enfin, si, un peu, mais il n'y a pas de poil. Mais voilà, bah, c'est vraiment dans l'esprit. Parce qu'il y a, comment dire, il y a des scènes un peu. Bah, il y a des scènes au olé-olé, hein, faut le dire. Il y a des scènes au olé-olé. Hein. Sloane Kennedy arrive à manier vraiment ce qu'il faut de haute sans trop en mettre. Voilà. Sans trop exagérer. Mais les scènes sont vraiment de toute beauté. Donc c'est une série que je vous recommande qui est chez Juno Publishing. Alors ensuite, donc la lecture plaisir dont je vous parlais. Il s'agit en fait du tome 2 de Nevernight de J. Christophe aux éditions de Saxus. Donc là, comme vous voyez, je l'ai pris en relié. Je vais vous montrer.
Alors, il est superbe. Et en plus, la jaquette est réversible avec une jolie carte. Donc là, on va retrouver Mia Corvère, si je ne me trompe pas, donc notre assassin favori. Donc c'est une série avec, comment dire, de l'action, de la violence. Enfin, il y a des trigger warnings au début du roman. Donc comme ça, vous le savez. D'ailleurs, les trigger warnings, mais je ne sais plus ce qu'il dit, parce que pour l'instant, j'ai lu 15 ou 19%, je crois. Alors, je ne sais plus où ils sont, les trigger warnings. Je les ai vus, pourtant il me semblait les avoir vus. Ah voilà. Violence, torture, langage grossier, sexe, viol, description explicite de blessures, alcool, traite d'êtres humains, mort animale. Donc comme ça, vous êtes prévenus, c'est assez violent comme truc. Alors, ce que j'ai trouvé super, c'est que J. Christophe a eu des détracteurs parce qu'en fait, il avait utilisé des termes, comment dire, que les personnes de confession juive pouvaient trouver insultants et mal pris. Donc en fait, il a pris le parti avec ses éditeurs de remplacer les noms et termes qui étaient problématiques. Donc en fait, on avait le frère de Marielle dedans qui s'appelait Adonai, si je ne me trompe pas, qui devient Marius, et HK qui devient Izir, et HKI qui devient Iziri. Donc il y avait trois termes qui posaient problème et ils ont été remplacés. Donc là, dans cette nouvelle version, enfin dans ce deuxième tome, les termes ont été remplacés. Bon, par contre, apparemment, ça sera pour les réimpressions que là, ils seront remplacés pour les premiers tomes, enfin pour le premier tome. Donc voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça super parce que bah, ça prouve que bah, ils prennent en compte comment dire, les critiques et tout. Donc franchement, c'est top. Et alors, par contre, ce bouquin est énorme. Bon, pas aussi énorme que Crescent City que j'ai lu récemment, mais quand même,793 pages, mais comme c'est bourré d'action, enfin bon, il y a un glossaire au départ, enfin non, un récap au départ qui nous permet de nous remémorer les personnages, et il est vraiment bienvenu parce que comme ça, je l'ai lu au mois de décembre, si je me trompe pas, comme ça m'a remémoré en fait les personnages et un peu l'histoire. Donc quand j'ai attaqué, j'étais pas perdu. Franchement, j'ai pu me retrouver facilement et tout. Et j'ai retrouvé ce côté addictif au niveau de la lecture qui était vraiment bien. Donc j'ai hâte de pouvoir poursuivre. Bah, je pense que je vais poursuivre après avoir tourné cette vidéo, comme ça, histoire de, comment dire, de commencer le mois de juillet bien pour pouvoir, comment dire, ben, rattraper un peu mon retard de lecture du mois de juin, là, qui a pas été top. Alors, ensuite, toujours chez De Saxus, alors Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson. Alors, il s'agit pas d'un roman, mais d'un témoignage. Alors, c'est un own voice LGBT, donc avec George M. Johnson qui est journaliste et militant. Qui raconte son enfance, son adolescence, ses années universitaires, et par rapport à, comment dire, à sa sexualité et tout. Donc c'est vraiment un témoignage, et j'en ai entendu beaucoup de bien, et il me tardait de l'avoir. Alors je crois que c'est cet ouvrage qui ouvre la collection Ellipsis de De Saxus. Donc, alors Ellipsis, je crois que c'est des... Alors, je sais pas, non, je sais plus si c'est des romans LGBTQ+, tout le temps, ou pas. Parce qu'après, il y a un autre ouvrage qui est sorti, qui est La méthode Lightly, qui là, c'est aussi du LGBTQ+. Et franchement, bon, moi, je les prends toujours en édition reliée, collector. Et franchement, là, c'est superbe. Et bah, là, en fait, c'est l'auteur. Il y a comment dire, une séance photo
où ils ont fait cette photo. Parce que la couverture originelle, c'est plutôt comme une peinture, enfin un dessin qui ressemble un peu à ça. Mais là, ils ont fait le choix de prendre l'auteur en fait en tant que modèle. Et franchement, je trouve ça super. Alors ensuite, là, on va passer dans ma série de science-fiction préférée qui s'appelle Dune. Et là, c'est un inédit. Il s'agit des Chroniques de Caladan, le Duc, le tome 1, enfin livre 1, qui a été écrit par Brian Herbert et Kevin Gene Anderson. Brian Herbert étant le fils de Frank Herbert, donc celui qui a écrit Dune, et il se sert des notes de son père pour écrire d'autres romans dans le même univers. Et là, en fait, alors si vous connaissez Dune, on va s'attarder sur le personnage de Leto Atreides, donc le père de Paul Mouadib. Donc franchement, j'ai hâte de le lire parce que c'est vraiment un inédit et on n'a jamais lu, on n'a jamais vraiment eu son histoire en entier. Et donc franchement, c'est pas mal, puisque en fait, là, on va savoir son histoire avant qu'il devienne le concubin de Dame Jessica et tout. Donc franchement, une lecture que j'ai hâte de dévorer. Et puis en plus, la couverture, elle est superbe. Alors, là maintenant, on va attaquer les bouquins VO que je me suis procurés. Alors, le tout premier, c'est Empress of All Seasons de Emi Koja, Jean, Jean, enfin bref. Alors celui-là, j'en avais pas entendu parler, mais on a fait un live avec Nina, Solène, et c'est Solène, si je ne me trompe pas, qui en a parlé. Donc là, en fait, on est dans. Alors ça sera un Unvoiced, puisque l'auteur, je pense, a des origines japonaises. Et là, on va assister à une compétition pour désigner la prochaine impératrice de Honoku. Donc là, il y aura des. Il faut survivre dans un palace aux pièces enchantées qui ont rapport avec les saisons. Il faut conquérir donc l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et se marier au prince. Alors tout le monde est éligible à cette compétition, sauf les yokai. Sauf que là, en fait, on a Marie qui est yokai, avec la possibilité de se transformer en un monstre terrifiant et qui va concourir. Et franchement, ça a l'air hyper intéressant. Alors, c'est un standalone, et j'ai trouvé que la couverture était déjà superbe. Et puis, c'est en version reliée. Bon, il est tout simple, hein, franchement, y a rien de spécial. Mais la couverture, elle est superbe. Donc voilà. Et puis, il n'était pas excessivement cher. Je crois que j'ai dû payer 15 euros, un truc comme ça. Donc, j'ai hâte de le lire. Alors, le prochain. Donc, il s'agit de This Violent Delight de Chloé Gong. Donc, alors, celui-là, j'en ai entendu parler. Et je le cherchais. Et il s'avère que je l'avais mis dans ma wishlist depuis un jour que je naviguais sur Vinted. Je l'ai trouvé en version dédicacée et pas excessivement chère, parce que j'ai négocié avec une espagnole, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, une espagnole, et je l'ai payé 20 euros. Donc franchement, pour une version dédicacée par l'auteur, c'est pas mal. Alors là, il s'agit en fait d'une réécriture de Roméo et Juliette, mais dans le Shanghai des années 20. Et rien que le thème, ça m'a, comment dire, ça m'a vachement intrigué. Et en plus, c'est un Unvoiced, parce que là, c'est l'auteur est asiatique. Et là, ça se passe dans le Shanghai des années 20. Donc franchement, ça a l'air pas mal du tout. Donc j'ai aussi hâte de lire. D'ailleurs, je vous dis ça tout le temps, que j'ai hâte de lire. Mais bon, après, c'est le principe que je m'achète des bouquins que j'ai envie de lire. Donc bon. Voilà. Et enfin, le dernier, il s'agit aussi d'un standalone. Il s'agit de The Shadow Between Us de Tricia Levenseler. Donc voilà. Où là, en fait, on va suivre Alexandra qui en a marre d'être ignorée et qui a un plan. Donc, et son plan, c'est de. Comment dire?
gagner le cœur du roi, se marier avec lui, le tuer et garder le royaume pour elle-même. Donc là, en fait, comment dire, on va suivre ses aventures et tout. Ça m'intriguait beaucoup. En plus, la couverture, elle est aussi très belle. Pour ne rien gâcher, j'ai dû le payer environ 12 euros. Parce qu'il était entre 12 et 13 euros, je crois. Là, il est à 13,19. J'ai vérifié juste avant. Donc, il est encore très peu cher pour un relié. Donc, en plus, la tranche, elle est argentée. Franchement, c'est. Bon, la jaquette n'est pas réversible, mais la jaquette est franchement de toute beauté. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'en ai entendu parler de celui-là. Je ne me rappelle plus. Mais bon, bah, il me tentait bien. Voilà. Et en plus, là, ça changeait le fait que ça soit. Comment dire. Une fantaisie avec quelqu'un qui essaye d'être méchant, enfin, qui sera peut-être méchant d'ailleurs, je sais pas. Donc, mais il y aura sûrement une romance et tout. Je pense que peut-être que le roi et la reine vont se convenir. Après, peut-être arrivera-t-elle à le tuer, je ne sais pas, et à prendre le pouvoir. Donc, bon, voilà. De toute façon, en plus, je crois qu'il était super bien noté. Donc, voilà. Donc là, ça m'en fait, je ne sais même pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 romans qui sont arrivés dans ma bibliothèque, des romans que j'ai lus pour certains, d'autres que j'ai hâte de lire. Et sinon, il me semble qu'il me restait quelque chose à vous dire. Oui, je me suis procuré un audiobook de plus, enfin un audiobook ce mois-ci. Alors l'audiobook, il s'agit du tome 3 de Dune. Donc c'est... Non, pas de mes sites Dune. Oh, je sais plus. Bon, bref, le tome 3 de Dune de Brian Herbert. Je vous mets la petite photo là. Donc là, je suis en train d'écouter la fin du tome 2. Il doit me rester une heure et demie. Au mois de juin, j'ai fini le. Non, c'est pas le tome 2. Si, c'est ça, c'est le tome 2. Au mois de juin, j'ai fini la deuxième partie du tome 1 et j'ai lu aussi le tome 2 de la saga. Enfin, j'ai écouté le tome 2 de la saga des Bridgerton, donc Anthony, qui était vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé. Donc là, j'attends que mon abonnement Audible se renouvelle et au mois de juillet, je vais sûrement m'acheter le tome 3 des Bridgerton pour l'écouter aussi. Et en fait, je prends vachement goût à écouter des audiobooks parce que je les écoute pendant que je fais la vaisselle ou que je fais à manger ou que je prends ma douche. En fait, bah, ça me fait gagner du temps. Enfin, voilà. Donc comme ça, des tâches qui sont peut-être des fois rébarbatives ou autres, bah, en fait, on s'occupe en même temps. Ou aussi quand j'arrose le jardin. Bon là, je dois vous avouer qu'avec la pluie qu'il y a, il n'y a pas trop besoin d'arroser le jardin en ce moment. Donc voilà. Donc voilà. Donc bah, j'espère que ce petit book haul vous a plu. Et puis bah, que mon petit témoignage sur les inondations vous a plu aussi. Enfin voilà. Enfin n'hésitez pas à commenter et à... Comment dire? Et à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, sur ce... Bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je pense que je vais poster la vidéo aujourd'hui même. Voilà. Donc à bientôt!